Jabanu had a buit on a mat on sea. But when she won't bow the no, got it in your knee. Cozy or as in la, but in that was a tuba who la shahar is in the one who was in maha, one me haruma yahafula. On reprend là où on s'était arrêté. On a parlé d'artistes, de femmes, de cheminement. Là, on va parler de l'océan Indien et on va parler avec ses meilleurs, je dirais, représentants, puisqu'on reçoit Elias, musicien comorien. Bonsoir. Bonsoir. Jimmy de Madagascar, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire que finalement, il y a une chose qui est vraie. La musique malgache et la musique comorienne se ressemblent pas? Pour moi, la musique des îles Madagascar... Non, mais je veux dire, Madagascar, La Réunion, Maurice, il y a quand même quelque chose. Il y a déjà un instrument qui est partout, c'est le kayombe. Ah, d'accord. Il est déjà partout. Et chacun, c'est son petit truc. Mais voilà, on se comprend. Ça fait combien de temps la tournée a commencé au mois de mai, je crois, à La Réunion? J'ai commencé au mois de fin mai. J'ai présenté mon projet solo à Lioma cette année. Mm-hmm. Et après, on a enchaîné avec le trio basse-batterie pour une dizaine de dates. D'accord. Jimmy, qu'est-ce qui l'amène à La Réunion? Je suis le projet Elias. Je suis le batteur, en fait. Ah, ouais. Et ça a donné quoi? Comment? Quel a été l'accueil du public réunionnais par rapport à la musique que vous proposez? Franchement, jusqu'à là, très très bien. Et hier, on a été à la Rondavel. Sur la plage? Filaos. À Silaos? Filaos. À Filaos. Filaos, ouais. Filaos, on dit. On dit Filaos. Filaos. Ouais. Et oui, on a eu des très 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 bons retours aussi. Donc, la vie est belle. Plus de Réunionnais ou plus de Réunionnais d'origine comorienne? Ah non. Il y avait un Comorien, je connaissais. D'accord. Deux. Et voilà, après c'était un public mélangé, comme éclectique, La Réunion. Quoi. Éclectique. Un public réunionnais. Tout à fait. C'est la première fois que Elias vient à La Réunion? Non. Je suis venu présenter un projet la première fois en 2007, en 2008, en 2011, en 2012. D'accord. Donc La Réunion, c'est un terre de, je dirais, un deuxième endroit où on aime bien se retrouver. Ah oui, parce que La Réunion, elle est là, donc... C'est gentil. Non, c'est vrai, on est accueillis, voilà, bras ouverts, et puis voilà, c'est ce qu'on cherche, rencontrer le public, et puis partager le peu qu'on a. D'accord. C'est le premier voyage à La Réunion, Jimmy? Oh, ça fait longtemps. J'ai déjà fait jouer avec pas mal de groupes malgaches ici. Il y avait Dain Roots qu'on a fait pas mal de diaspora. Il y a aussi le Tsenga, projet Tsenga, qu'on a fait des concerts ici. Quoi. D'accord. Et dans ce projet-là, qu'est-ce qu'il y avait de particulier par rapport à d'habitude? De particulier par rapport à d'habitude, justement, parce que ça fait 4 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Donc la particularité était là, c'est qu'on avait un jour et demi de mise en place et commencer la tournée. Donc on n'est pas que deux, il y a Adib aussi, un Belge marocain. On aime bien métisser, nous. Un Belge marocain. Faut l'inventer celui-là. Couscous avec des frites. Voilà, et qui habite La Réunion, donc un peu réunionnais aussi. Quoi qu'il y a des moules dans le couscous. Donc, oui, c'est possible. Donc, moi, je lui ai dit, on va faire un couscous poisson, mais il n'est pas d'accord. Et voilà, donc c'était très particulier de se retrouver 4 ans après. Après, on avait beaucoup, beaucoup joué avant. Et ouais, on n'a rien perdu. D'accord. Je vais juste avertir les profanes, c'est pas la peine d'ouvrir le débat sur est-ce que le couscous est marocain, tunisien ou algérien.
C'est pas la peine. On va dire que c'est maghrébin. Voire français. C'est le plat le plus apprécié. Non, je connais le problème, donc je préfère fermer la parenthèse tout de suite. Ça nous évitera les problèmes. Le fait de deux jouer ensemble, qu'est-ce que l'un apprécie chez l'autre? Il va commencer. Et s'il dit des conneries, comme ça, je peux taper dessus après. Non, c'est toi qui as la guitare, donc tu pourras t'en servir. Bon, la personnalité, déjà, j'apprécie beaucoup. Mmh. Et la chanson qui, et l'énergie qui, que dégage mon frère, en fait, ça... D'accord. J'avais prévu de dire, mais comme il a été gentil, je vais être gentil aussi. Mmh. Moi, ce que j'apprécie, Jimmy, c'est que c'est un très, très grand batteur. Hein. Là, il fait genre le timide, mais c'est un top, top, top batteur. Mais c'est pas ce qui le montre quand il vient jouer avec moi. C'est pas, il va me dire, ouais, je suis le meilleur batteur. Il est là pour la musique. Il apporte son idée, il apporte son... Il impose pas, il dit, ouais, je suis le meilleur. Voilà, c'est ce que moi j'apprécie. D'accord, et c'est sans doute la question que je vous poserai juste après. Je voudrais juste vous voir jouer un petit peu, si on peut avoir un live là tout de suite. Juste vous voir et après on va rigoler un peu. Et les guitaristes aussi. Ah, d'accord, ok. Allez, on... Yanu magongo magongo Do yari tendeya Ama majongo majondo Ndo waridhu mania Magongo magongo Do raya tendeza Basi tufani tufani Do rajivunia So hambazinu mgude azanza Na sirebatse mihono jaja wanza Na riwane nizo na uhale manza Maudu owa na wala wefaza Hey, 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 yeah Hey, 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 hey Na, 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 hey Na, 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 na Yanu mawondo, mawondo Rangura Zulu si wabundo Na yensi wio ihondo Hata kola nzilo shemeza ngodo So hambazinu mgude ya zanza Na sirebatse mihono jaja wanza Na riwane nizo na uhale manza Say that day, na 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 na, ooh, ba 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 na, sa ba 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 ba, to da 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 da. J'allais dire, vous avez la même approche de la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est un art, c'est quelque chose que... Mais vous gardez cette posture de dire que vous êtes d'abord des individus, vous êtes d'abord des humains. Oui, quand vous parlez tous les deux. C'est ça qui vous réunit finalement? Je pense d'avoir cette humilité par rapport à ce que vous êtes finalement, des musiciens. Moi je pense oui, parce que moi j'aime bien travailler avec des gens, je me sens bien. Sinon, je me dis, voilà, c'est quand même galère. Déjà, c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon, dans la musique, à la tournée. Et puis, si en plus de ça, on se rajoute un poids en plus, parce qu'il y a des gens que t'aimes pas forcément, ou vous entendez pas, mais il faut le faire, je dis, voilà, c'est même pas la peine. Il faut aller, je sais pas, aller faire planter, pêcheur. Aller planter des carottes ou bien des voilà. Patates. Ou du riz. Oui, c'est important le riz. Tu as déjà planté le riz? Ouais.
Et il mange plus que le planté, je pense. Mais ça, c'était avant. En rizière ou en terre? Ben, en rizière. En rizière, où ça? Quand on est à Madagascar. Madagascar? Où ça, quand Madagascar? On ira dans la brousse de Majunga. D'accord. Ouais. On aide un peu ma grand-mère, tu vois, pendant les vacances. À piquer le riz. Ouais. Et là, ça fait. Ça... Oui, c'est vrai qu'on reste. On reste penché. Hein, c'est ça le truc. Et là. Et déjà, quand on arrive, on regarde la surface qu'il y a à piquer, on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? C'est ça. Hein, ouais. Tu vas voir comment je vais te manger après. Et après, ouais. Non. On essaye de réfléchir à quel moment, comment on peut ne pas revenir là, surtout. Ça, c'est tout à fait vrai. On finit par me dire. Moi, c'est dans la canne. Moi, c'est dans le champ de canne. Donc, c'est pour ça que on connaît l'ambiance. Quand on est gamin, on essaye d'éviter les corvées, surtout. Ça, 26 juin, c'est la fête nationale de Madagascar. Oui. Ça représente quoi? Aujourd'hui, la fierté malgache, j'allais dire l'orgueil, c'est quoi cette fête nationale? C'est l'unité, c'est... J'ai vu par hasard sur un document, il y a 18 ethnies à Madagascar. La fête d'un peuple qui... aujourd'hui, continue à se construire, ou bien c'est juste de dire qu'on marque une date d'une indépendance par rapport à la France? Mais en fait, c'est une fête... Les peuples, en fait, ils ont ça dans le cœur déjà. Mais le peuple veut un changement. Mais il y a cette petite truc qui... Je vais pas trop étaler là. On va dire petit, mais qui est grand. Qui bloque ce changement-là? Donc, la fête nationale, déjà, ça marque l'indépendance de Madagascar. Les gens, ils sont fiers. Mais... okay. Je vais pas étaler les choses. J'allais dire, pour les Comores, malheureusement... Le 6 juillet. Le contexte, contexte ne change pas non plus. Non, parce que, et malheureusement, je dirais un peu comme il dit Jimmy, c'est que oui, le peuple est content, fier d'être indépendant, et même, on entend aussi une partie du peuple, de temps en temps, qui dit, ouais, pourquoi l'indépendance si c'est ça? Donc, et on l'a vu. Quand il y a eu le séparatisme ou la tentation de séparatisme dans Juan. Et voilà, c'est un signe du peuple de dire ils avaient même remis le drapeau français. Donc je pense que oui, il y a cette fierté, mais à un moment il y a un regret aussi parce que S'il n'y a pas un minimum de confort et surtout il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'éducation, déjà c'est la base. Et voilà. Après, je sais, il y a des Comoriens qui vont me taper dessus parce qu'en fait, on aime bien se taper entre nous, mais à l'extérieur, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Ouais. Et c'est vrai aussi à Madagascar. Il ne faut pas dénoncer ce qui se passe. Je connais des Réunionnais d'origine malgache qui essayent aussi d'apporter quelque chose à Madagascar, mais sur qui on n'hésite pas à taper lorsqu'ils ouvrent leur bouche pour dénoncer ce qui se passe. On ne va pas être hypocrite, là, c'est pas vrai. Faut pas le dire à Madagascar, par exemple. Faut pas le dire si t'as pas une certaine statue pour... Ouais, pour le faire. Statue, bien, c'est bon, on fabrique soi-même. Non, mais là-bas, c'est grave, quoi. Bon, c'est grave. C'est pareil, quand on regarde les commandes. Là, je sais pas si la perspective de trouver du pétrole dans les eaux comoriennes va changer va donner des perspectives au gouvernement comorien. En tout cas, aujourd'hui, on en parle. Mais c'est pas une question d'argent. C'est pas que le gouvernement n'a pas d'argent, donc on souffre. C'est pas du tout ça. C'est une question de projection. Les politiciens, aujourd'hui, c'est des opportunistes. Ils ont pas de projet. Le seul projet, c'est d'être au pouvoir. Et c'est les mêmes qui se passent, voilà, aujourd'hui Sambi, Azali, mais c'était les mêmes qui étaient ensemble, et puis voilà, ils font leur business et que nous, on est en train de les regarder. C'est pas une question de Ali Swali, il a fait genre 2 ans et demi, mais lui, il avait un projet. Aujourd'hui, on le regrette, même si pendant sa mort, le peuple a dansé et chanté, mais il avait un projet. Tout le reste,
peut-être qu'ils avaient projet de détruire, mais en fait, personne n'a de projet. Donc, même si on a des milliards, c'est pas les milliards qu'il faut. Il faut le projet. Et quand on a des milliards, on fait quelque chose. Et moi, j'ai même peur de cet argent qui pourrait arriver. Voilà. Ça parce que on voit aussi, hein, on voit aussi des ça pays qui ont le pétrole. La corruption. Non, mais la corruption, ça, on maîtrise. S'il y a une médaille qu'on peut avoir, je pense que les Comores, on a une médaille au moins sur ça. Non, mais c'est vrai. Non, je l'assume, je le dis, je l'assume, c'est pas un souci. Alors, donc, moi, je pense que c'est une question de projet. On n'a pas de projet. D'accord. Et que j'ai peur que cet argent-là, quand ça va arriver, et j'espère me tromper, et que ça va être pire. D'accord. Et j'espère vraiment me tromper. Mais vu ce qui se passe à côté c'est, qu'on voit. Finalement, on est sur des comportements humains. Hein? On est sur des comportements humains qui ne sont pas de bons comportements humains à la rigueur. Non, parce que en fait, chez nous, un ministre, il y a beaucoup de contradictions. Un ministre, un directeur qui vole, qui est condamné, entre guillemets. Le peuple qui souffre parce que cette même personne a volé va le soutenir en disant « c'est notre enfant ». En fait, ils deviennent des rockstars. Ah, d'accord. Donc, une fois que l'acte est passé, on va se plaindre qu'en fait, on n'a pas d'hôpitaux. Mais enfin, oui, mais le même qu'on a soutenu, qu'on a défendu, qu'on a fait grève parce qu'on allait peut-être le condamner, on l'a soutenu. Donc, en fait, c'est… D'accord. La question… On vote à Madagascar, je crois, pour la présidentielle. Oui, que ça devrait passer d'ailleurs à peu près la fin d'année. Oui, même plus tôt que ça. Même plus tôt que ça, je crois que c'est dans quelques mois. Mm-hmm. Qu'est-ce que Jimmy attend d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président ? Bah, et qu'ils arrêtent de faire leur connerie, quoi. D'accord. Déjà. Ça, c'est un joli mot. Ça peut faire une chanson. Ça peut faire une chanson. Ah ben oui, j'en parle beaucoup. En tant qu'artiste, est-ce que vous avez les moyens, à travers ce que vous faites, de dénoncer, d'essayer de dire au peuple de se mettre debout? Est-ce que vous avez cette est-ce que vous êtes des chanteurs, des musiciens engagés? Moi, je certes, mes chansons vont dans ce sens-là. Je ne me qualifie pas d'artiste engagé, c'est pas de la fausse modestie, parce que pour moi, engagé, c'est dans ton art et dans ta vie. T'es dans le même chemin tous les jours. Voilà, moi, j'ai ma vie, entre guillemets, normale. Certes, mes chansons sont engagées dans ce sens-là. Je dirais que je suis un artiste conscient. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que les gens écoutent plus des chansons que la profondeur des chansons. D'accord. Je pense que les gens se disent, voilà, même c'est la chanson de chanter, des gens, je pense, après, il y a forcément des gens qui comprennent, qui le font, et que peut-être ça va toucher deux personnes, c'est déjà pas mal. Mais j'espère que, oui, les gens vont se réveiller et que ça va bouger au moins un petit bloc. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que chanteur de l'océan Indien, qu'est-ce qu'il faudrait que les îles de l'océan Indien fassent pour que, d'abord, qu'on aille ensemble vers un destin, une communauté de destin, puisqu'on est Indien-Océanique. Et comment les musiciens, d'abord, parce que vous, au niveau de la musique, vous avez un poids, vous avez une possibilité. Comment vous travaillez ensemble pour construire une identité de l'océan Indien? Moi, je pense et je crois vraiment, parce que je le vois, par exemple, la Réunion est pas mal exportée dans l'océan Indien. Et je pense, je le vois à l'extérieur, en métropole ou ailleurs, c'est très très rare d'avoir tête d'affiche quelqu'un de la Réunion, ou de l'océan Indien, pardon. Mmh. Et on va être dans les festivals, mais on va être mis dans une affiche où il y a Tikenja ou je ne sais qui, des gens très très connus. Et je pense qu'il faudrait créer un public de l'océan Indien, ça veut dire si le Comorien il est diffusé à la Réunion, que le Réunionnais il est diffusé à Maurice et vice versa, un Daniel Loiro qui va aller jouer, je sais pas, au Zénith, il va pas attendre que le Réunionnais, il va aussi espérer le public malgache. D'accord. Parce qu'il est diffusé à Madagascar, Comorien, le public de l'océan Indien pour remplir. Et je pense que c'est ça, par exemple, le rail, il a marché aussi parce que les producteurs, ils ont vu que
il y a des millions de gens qui vont venir écouter le raï, qui vont ramener un copain qui est étranger. Et je pense que si on arrive à créer un public de l'océan Indien, on pourra aussi aller défendre un artiste de l'océan Indien parce qu'on sera plus nombreux. Et plus nombreux, ça veut dire qu'il y a un business, parce qu'il faut dire la vérité, il y a tout un business derrière. Et s'il n'y a pas le public derrière, il n'y aura pas de business. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On a beaucoup parlé. On a fait 20 minutes et 30. Il est déjà 39, si vous regardez. Je termine là-dessus. Alors, il reste deux dates pour après le 22. Donc, après le 22, il y aura le 24. Ça sera Tipiton. Oui, voilà. Après. Après, c'est l'avion. D'accord. Ouais. Retour aux Comores. Métropole. Métropole. Oui. D'accord, une autre tournée. Moi, j'habite là-bas depuis 4 ans, mais j'ai des tournées, j'ai des dates qui sont. Comment on va faire Jimmy quand son frère va partir en métropole là? Je retourne à Madagascar. Et lui, il a son propre projet qui est leader. J'ai un projet là-bas qui s'appelle Jimmy B. Zaoto. Ça veut dire? Ben, Jimmy, c'est mon nom. B, en tant que batteur. Et Zaoto, c'est un mot qui vient de Majunga, en fait, parce que je suis né à Majunga, nord-ouest de, Madagascar. Ça veut dire, c'est toujours moi. Parce que moi, on m'a connu en tant que batteur depuis Madagascar. J'ai fait déjà 27 ans de scène là-dessus. Et là, j'ai fait mon groupe. Donc, je dis aux gens que bon, c'est toujours moi. Y a pas... Ça ne change pas. Ça ne change pas, malgré le fait que je suis leader. Merci, Jimmy. Merci en tout cas Elias, ça veut dire merci. Merci. Ah, merci. Et chez nous c'est Msota, Msota Betsak. Il me fout de la honte là, c'est juste Merci Jimmy, merci Elias. Merci en tout cas, beaucoup. Ça a été un moment agréable et avec plaisir de partager, d'échanger avec vous. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau et puis de parler de ton projet, Jimmy. Exactement. Entre autres. Exactement. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de donner à l'océan Indien un peu plus de volume et de dimension. En tout cas, c'est ce que vous faites déjà. Merci à vous.